En passant, le conseil présidentiel a gagné plusieurs jours là depuis l'installer. M'attendais des brio non? Ah, puis quand aucun monde va venir dire m'bail autant etc. Oui, n'a pas autant. Mais depuis qu'ils l'ont installé là, nous m'attendais des brio, nous m'attendais des nouvelles. Non, attention. Nous avons une population qui attend nos populations et qui on dit qui trouve nos situations côté qu'elle gagne urgence. M'attendais aucun discours. D'ailleurs, même élection que tu as faite dans mi-temps pour désigner qui est-ce qui a vu le président du conseil là pour qu'on fasse. Pas oublier, moi je dis ça déjà. Nous sommes, je me dis, puis quand vous comprenez, vous pouvez venir paraître là comme si vous pouviez gagner la partie facile dans mes yeux. Nous tapons mais pour job là, nous avons besoin de poste là, même dans mes nous démêler nos couvertes, je jette des résultats. Pas de blague dans les bagages là. Hein? Comme si nous avons poussé comme nous là. Et battre nous avons cherché résultats, etc. Nous avons besoin d'entrer dans le poste là. Et puis, nous avons entré là-dedans. Et puis, la population a cherché nos paroles. Nous avons un autre avion militaire américain qui était débarqué dans l'aéroport là. Ça fait déjà le troisième avion américain qui débarquait dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Bien que, selon les informations, l'avion ça lui-même, contrairement avec l'autre deux avions, avion salut était pour aide humanitaire et mais c'était plutôt aide de soins, aide santé bah, ça qui a un rapport avec l'aspect médical yo même yo porté. Donc encore une fois mesdames messieurs et Tesla ça s'est passé c'est que aéroport international Toussaint Louverture il semblé prêt pour recevoir des avions ou bien lignes aériennes yo capable commencer continuer à opérer là en Haïti. Qui ça qui explique absence ou bien silence membre conseil présidentiel là? Parce que nous même nous obligés aller au-delà, pas oublier ces analyses nous on a fait. Bon, on contenter la caillou, c'est Haïti réflexion. Nous espérons te passer une bonne semaine et un bon week-end, je dirais, un bon week-end des formations et vous pourrez passer une bonne semaine, surtout en notre compagnie Haïti Réflexion, où on est espace qui est bien approprié, bien aéré, côté où capable de chita, installer dans le salon pour bien à l'aise, pour tendre des informations, tendre des belles analyses, jouer une bonne news, faire que vous content tout, parce que vous connaissez, il faut qu'on habitue faire que vous content, ok? Et bien, et puis, vous avez une bonne analyse, Esdras Fizeme, Infoberto, n'a pas continué à informer pour nous porter où l'actualité est exactement, j'en ai passé. Nous dit qu'on silence. Je peux même dire que c'est un silence cadavérique, un silence de cimetière, selon mes constats. Silence ça, qui ça le cas expliqué? Je dis là, nous avons une population qui trouvait au bord de l'implosion, au bord de la gouffre. Nous avons une population qui trouve un dans le chaos. C'est là qu'on vit là. Le chaos s'installe en maître. C'est ça que nous avons là, mesdames, messieurs. Le conseil présidentiel vient de monter dans un contexte extrêmement difficile. Nous avons besoin de job là, nous avons besoin de job là, nous avons besoin d'entrer. Mais le job là, il n'est pas résumé dans Alpreuvant, dans Alain-Lambert, aller sous bateau croisière, etc. Actuellement, la pensée n'est pas fêter victoire. Là. Installation fin fête, c'est mettre nous au travail, mettre nous au chantier. L'on parle de chantier, l'on regarde ça qui a passé là en Haïti. Chantier, il est en pile. Je me demande, est-ce que n'est-ce pas mesuré quantité de travail, il y a bien pour vous faire à terre là. Malzo, l'on prend tant pour un chien, avant chien, quand on zo le mesure et machouel avant pour le est-ce que zo ça, est-ce que machouel ka manje zo a? Même j'ai l'impression que le conseil présidentiel n'a pas mesuré. Il n'a pas mesuré ça qui est là à terre comme crise. Il n'a pas gardé ça qui est là comme situation. Il n'a pas gardé ça qui est là, mesdames, messieurs, les miklages boum nan. Mais il a pas pression. Et il y a besoin d'installer, etc. C'est dégager nous, mettre déjà installé. Oui, nous installer. Qu'on y a là, c'est le résultat.
quelques jours après installation, installation faite dans qui date? Rappelez-moi, non, moun ki gen et plus mémoire passé mieux. Installation faite depuis jeudi, pas vrai? OK, mais jeudi à lundi. Ou ça c'est que 5 jours là. Ou ça c'est que 5 jours depuis installation en fait. Mais pas même une note. M'ai pas joindre un discours. M'ai pas joindre un communiqué qui explique, qui dit OK pas de problème et nous installer même qui ça nous pral faire. Qui est-ce qui est responsable pour bailler peuple en rapport? Qui est-ce qui est responsable pour bailler peuple à compte rendu? Si nous n'avons pas compris, nous-mêmes fanatiques Haïti réflexion, on nous essaie en quelque sorte de rappeler, rabattre les oreilles sur le grand chantier au gain devant nous là. Je veux dire là, son pays côté que l'hôpital pas fonctionné, non seulement à cause insécurité mais à cause pas de gaz. Regardez là pourquoi j'aime comprendre une dimension ça. Et ça qui me dit, n'ayez pas pas mesurer marche ouais, n'ayez pas mesurer et défi qui est là envers votre proposition là. Chantier en pile. Donc le bon pays côté que on dit d'ailleurs aéroport qui était pas fonctionné, la douane qui était pas fonctionné, mais vous entendez l'hôpital pas fonctionné, pour qui ça? Parce que pas de gaz. Aéroport qui a pas fonctionné dans même genre pour même raison. Bon dieu, moi pour exemple, me songer le Joe Biden monté président. Investiture à fin fait. Le peuple tende ça n'a pas dit, oui. Ou même quand vive États-Unis ou a démenti, si ça me dit, c'est menti. Le jour même de l'investiture, Joe Biden, monsieur est rentré dans la Maison Blanche, monsieur commence à travailler, monsieur est signé plus passé 200 décrets. Le même jour. Monsieur est venu, il n'a pas de venir pour le parce que l'icône était au grand chantier Captain Ni. L'icône était grand défi Captain Ni. Nous même fois prenons temps pour nous célébrer, vous comprenez, pour nous prendre plaisir, etc. Nous avons un pays qui a effondré aujourd'hui, là, pas aucune victoire à célébrer, pour personne. Bandi ou pas qu'à battre l'estomac pour nous dire à célébrer victoire qui est bon. Victoire sous qui est, sous qui ça? Sous population et moribonde là. Sous peuple sans cervelle là, sous peuple sans défense là, et sous l'ombre elle dit, on va célébrer victoire. De qui victoire vous voulez parler? De qui victoire vous voulez parler? N'a pas avancé toujours. Nous dit, mesdames, messieurs, le conseil présidentiel n'est pas, il n'y a pas pris poids ça qui est là. Comme problème. Bon, il faut voir une image. Je n'ai pas toujours aimé passer, non? Mais bon, il faut une image avenue et on dit Magloire Amboise. Qui est-ce là qui songeait Magloire Amboise? Ça, c'est une zone malheureuse, pas de habiter là-dedans, non? Magloire Amboise. Secteur, ça n'est pas secteur côté malheureux, qui vivre là-dedans, non? Ça, zone, ça a été considéré comme une zone élite. Nous n'avons pas tout le monde qui a le droit à faire des cailles dans le secteur, ça, non? Qu'on a la métal, on regarde. En suivant ensemble, Magloire Amboise. Moi, yo, c'est Magloire Amboise. Voilà, c'est l'eau qui a coulé là, c'est une belle rivière. C'est Magloire Amboise là, ouais. Magloire Amboise, c'est de l'eau. Aline Bob à l'aise, n'a pas connu bien. Mais là, oh, on a nous un chit d'eau, un chit d'eau. Voilà, Big Fa. Magloire Amboise là-bas. Hein. La boîte est dans son sel là, même pas mieux, on a marché là-dedans, pas mieux, ouais. Je vais vous montrer la même chose. Je vais vous montrer la là. Je vais vous montrer la même chose. 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 Je vais vous montrer la Ah bien, mais ça qu'a fait. Là, nous, la capitale, là, ça va mandir. Et n'y va pas. Il n'y a pas fait Vietnam, il n'y a pas fait Bagdad, mais qui j'en ai. Nous, caca, nous foutis, nous mêlés. Caca, vous.
Il va gagner la vie là même. Dis tout. Va gagner la vie. Va gagner même. Bon, essayer nous dans l'aime. Là, vous devez me balancer. Là, nous appelons la bouche. Ça, c'est Riel Romain. Oh. Les magnons bras, c'est Riel Romain. Riel Romain là. L'eau. Papa, comment est là? Yes. Riel Romain. Comment nous est là? Et... En forme. Fin ouais image ça ou fin de des amis ça tout cap parler comme si cap illustrer ça qui en bas image là ou pensez jodi là gain de quoi vraiment pour on nèg ou vin là c'est célébrer ou pensez gain de quoi vraiment pour on nèg monter là au pouvoir pour nèg là comme si nèg a bat estomac comme quoi ou comme si il y a un grand chantier là mener bataille là fait travail si nèg ça respecter tête yo automatiquement yo monter au pouvoir c'est dégager au coup mettre Jean-Jacques passer on dit c'est rentrer directement au boulot le même jour nous jour nèg tant pour Joe Biden nous songer le même jour et ouais Donald Trump monsieur dit sous elle monter président premier jour l'entrée avant jour investiture il y a quantité décret pour le signer contre immigrants yo. Ça veut dire, monsieur, vous voulez montrer que vous connaissez le chantier Captain Mi. Donc, le jour même de son installation, vous avez un paquet de bagages pour le faire. Non, nous-mêmes, nous sommes pourtant pour nous célébrer. Il faut que nous fêter. Il faut que nous inviter les familles, les amis, faire une grosse fête la caille nous. Et, je ne veux pas manger le conseil présidentiel de façon particulière. M'attendez ou dit Thomas Sano qui a parlé de Edgar Leblanc fils. Edgar Leblanc OPL. En pile moun gère respect pour lui, en pile moun gère pile attente sous lui. M'attendez c'est Aviol Fleurin qui a conseillé Edgar Leblanc. Aviol Fleurin qui a démêlé avec la justice. Aviol Fleurin qui a campé qui dit lui-même, bon j'étais voyé, etc. Bon j'ai pas la mission pour le changer Haïti. Aviol Fleurin. Qui faut pas qu'être dans le ministère de la planification et de la coopération externe. Qui a acheté le ministère ça? Soit Aviol Fleurin, j'ai la corruption, ta première en maître. Je dis là pourtant de ces Aviol qui va le conseiller, on est d'un coup Edgar Leblanc. Nous avons beaucoup envie de manier, m'en conseille ça de manière comme si, et de façon personnelle. Mais il y a pile bagaille pour nous penser. Il y a pile bagaille qui m'a dit à repenser. Parmi chantier, et conseil présidentiel la gué parmi chantier c'est insécurité. Insécurité c'est plus gros test lié pour nèg yo à mon avis plus gros test nèg yo gen nan mèw là. Et ça fait dans émission avant me dit à fort de nèg a parler nèg a dire yo même yo prêt pour yo faire élection et cetera. Ça beaucoup pour peuple là non. Le peuple Abdou, Jovenel fait tout le temps ça au pouvoir, quitte Jovenel pour Ariel, etc. Élection pas faite, il continue à vivre. Ça veut dire peuple Abdou, priorité le jour de là, il pas organiser élection. Priorité le jour de là, c'est sécurité. C'est qui décision nous allons prendre? Comment le conseil présidentiel va aborder l'aspect sécuritaire? C'est important. Et c'est très important même. Comment le conseil va aborder l'aspect ça? Pas de blague dans un jodi là c'est un plus gros chantier. Songez René Garcia Préval. Écoutez, vous avez tout problème avec Préval. Moi j'ai des problèmes avec René Garcia Préval. Des problèmes avec son administration, la façon dont il a dirigé Haïti, etc. Vous avez des problèmes avec lui. Mais Préval, c'est un nèg qui te prend des positions claires, des dispositions claires. Tant que sur le plan sécuritaire, par exemple. Préval te campé, il te dit, on nèg, on femme, yo joué nous avec zam nan men ou, y a touye ou. Pas joué nan pile moun nan kap ek di ça.
Et le préval t'a fait déclaration ça, nous souhaitons un directeur général de la police dans le tout. Comprenez bien. Conseil président, c'est là qui doit avoir une volonté. Il doit avoir une volonté au vin là, dit ok, mais travail, il va le faire, il va combattre l'insécurité. Est-ce que un directeur général de la police qui a répondu avec exigence? En entendant nous, patron. Est-ce que nous avons un directeur général de la police qui peut répondre? Parce que René Garcia Préval, monsieur te gagne comme directeur général de la police, Mario Andrisol, mon pape Chay. On est qui était prêt à tout. Comme faut entendre, non? On connaît nous-mêmes, nous aimons illustrer ça avec image, avec parole. Comme faut entendre René Garcia Préval, qui t'a adressé là avec Bandio. Oh, c'est gros causé, oui. Entendez, non? C'est un grand objectif. Il ne faut pas que les âmes dans le pays. Il y a deux gens qui ont fait. Soit que les âmes remettent dans le cadre DDR, et que moun, soit l'école, soit je n'ai business, soit les fait de façon violente ce que nous n'avons pas souhaité. Dans le quartier, ça, MINUSTAH avec la police, commencé à reprendre le quartier. Petit par petit. Cependant, les gens qui ont des âmes, et c'est ça nous le dialogue, là. Pendant que nous avançons, ils sont toujours capables de venir parler avec nous. Je crois que ça, il faut être clair. C'est deux solutions qui marchent en même temps. Depuis qu'on a examen dans les mains, on va. Si en deux temps, vous voulez remettre les âmes, mais pour remettre les âmes, il faut que je ne monde pour parler avec vous. Si vous voulez remettre les âmes, vous allez prendre des DDR. Donc ce n'est pas un dialogue sans force, c'est un dialogue avec force, force avec dialogue. Vous voulez remettre les âmes, il faut que je ne monde pour parler. Il faut que je ne l'état pour garantir que la fête des DDR là avec vous. Ou pas vouloir remettre les âmes, vous allez mourir. Et dans la semaine, il y a au moins 17 bandits qui mourent dans la zone. Après, je vais vous dire une dernière fois encore. Le dialogue n'a pas voulu dire que vous pouvez seulement parler avec les gens qui ont des âmes. Vous pouvez parler avec eux pour dire mes choix. Soit vous remettez les âmes dans le cadre de DDR, soit vous mourrez. C'est ça que n'a pas dit. C'est belle bagaille, oui. C'est belle bagaille. Le où vous comme si nous avons dit, on directeur général de la police qui a répondu à chaque exigence. L'on exige un bagage, l'on demande un bagage, directeur général de la police, d'ailleurs, avant même de faire un plan, de même de être prêt pour le faire, pour le exécuter. Et ça a passé là. Donc, mesdames, messieurs, on est dans le France LB aujourd'hui, là, je garantis, le conseil présidentiel peut avoir un plan, mais est-ce que France LB est en mesure pour l'exécuter le plan? Est-ce que France LB a une volonté, est-ce que a une expertise, est-ce que a un professionnalisme pour l'exécuter plan? Je veux dire là, nous devons essayer de faire semblant que nous ne comprenons pas le chantier nous avons devant nous là, sur le plan sécuritaire. Nous devons faire semblant que nous ne comprenons pas, je veux dire là, défi nous avons nous là sur le plan sécuritaire. Côté conseil de oligarque, bon, moi-même, je me demande, est-ce que nous avons un chef de police qui a bien courage, qui a bien couille assez comme si. Parce que, bon, je vais vous dire, l'autre qui a parlé, il y a un problème avec oligarque, etc. C'est oligarque qui mette un côté là, c'est plein oligarchie qui fait aujourd'hui là, nous avons un niveau nué là. Ça, je dis, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais qu'on y a là, est-ce que vous plan pour arrêter? Est-ce que vous plan pour stopper? Est-ce que vous plan pour nous empêcher de fonctionner? Est-ce que vous plan pour nous empêcher de continuer à régner en maître? Vous avez préparé un reportage sur Reginald Boulos, Dimitri Vauban, dit en pile dans l'oligarque que nous avons là. Nous avons méchant en pile si nous ne pouvons pas nous entendre. Et suivre, mesdames, messieurs. Reportage ça que m'estime qui gagne place li. OK, nous va le faire mieux tendre et reportage ça côté y a parlé de oligarque
ou bien oligarchie, ou certains membres de l'oligarchie haïtienne. Et côté au sorti, comment vous faites arriver là, etc. Joine la famille Boulos qui était sorti dans le pays Liban, vient installer en Haïti, dans vient chercher la vie. C'est même famille ça qui va engendrer Reginald Boulos que nous connaissons, qui s'est mis Delimat, Megamat, Autoplaza et beaucoup d'autres choses. En 2008, monsieur était président chambre commerce avec industrie en Haïti. Dans descendant de français, on a joint la famille Vob. Petite François Xavier Vob, un français qui est arrivé vient installer sous territoire là en 1764. Monsieur était commencé à enrichir dans commerce esclave. Arrière grand-papa Dimitri Vob, grand-papa le convent monde pour esclave, les mêmes est tombé dans vente blackout pour pour faire ça, la famille Sayo gagne une compagnie qui est les sous-génères. Dans le même groupe descendant français Sayo, où joint la famille Buto. Les ancêtres qui portent non Nicolas Buto, t'es sorti dans une petite ville en France qui portent non Otul. Next, ça a été installé dans le territoire là à l'époque qui était Saint-Domingue, côté que l'était gagné plusieurs plantations avec un pile noir dans l'esclavage pour travail pour faire riche. C'est descendant colons ça qui bral banon, c'est qu'après une génération qui occupait des hôteliers dans le pays. Mout Sayo gagne plusieurs hôtels, Tankou, Caribé Hôtel, Kinam Hôtel, Serve Hôtel, etc. Dans le conseil d'administration, Unibank croit joindre comme membre Berto Buto qui sorti dans le même responsable Zayo. Dans la même colonne descendant français Zayo, on a joint comme dirigeant Unibank Max Chauvette qui est vice-président Unibank. C'est descendant Chauvette Guillaume qui était un colon français qui était là, qui était plusieurs plantations dans le territoire là. Sans oublier Edouard Bossan qui est un vice-président dans Unibank aussi. C'est la famille Bossan qui gérait ça qui a rapport avec transport maritime en Haïti. Il y a une entreprise qui portait nom Agemar S.A. Famille Bossan ça, c'était des nobles en France. Il y a même gagné des ancêtres qui étaient Nicolas qui était trésorier la France en 1742 pour arriver en 1748. Next, ça c'était base colonisation française. Là, je viens de descendants juifs aussi qui formaient bourgeoisie ça en Haïti. C'est le cas pour la famille Bidjo qui banon Gilbert Bidjo en Haïti, qui c'est unique billionnaire en Haïti. Famille ça a été débarqué dans le pays en 1996, ce qui veut dire 92 ans après que nous avons pris l'indépendance. Il était même arrivé consul Israël en Haïti. C'est famille ça qui a eu avec tout ça qui a rapport avec importation dans les affaires construction en Haïti. Tant qu'on fait ciment et la trier. Soit tombé dans la famille Aped, toujours descendant immigrant, ça y est responsable tout ça qui a rapport avec textile. Y a gagné Clifford Aped qui est en tête de entreprise. Soit tombé dans la famille Akra, pour le monde, ça y est responsable tout ça qui a rapport avec manger qui a rentré en Haïti, que ce soit du riz ou importé l'huile, farine, c'est le monde ça y est qui a gagné contrôle de la métropole. Ça. Si nous avons comme cité dans tout bourgeois ça y est avec famille, je garantis aux vidéos ça va trop long. Le monde ça y est créé un système depuis des années, côté que c'est eux-mêmes qui gagnent contrôle sur l'économie pays avec politique pays. Ce pays, c'est nous-mêmes qui payons. Nous avons des banques, c'est nous qui avons l'hôpital, et nous faisons commerce. C'est nous qui avons tout ça payé avec nous. Guérir comme richesse, madame. Nous ne pouvons pas quitter. Arrivé gain contrôle pouvoir ça que yo fait c'est yo qui sponsorise une série de politiciens et une fois au pouvoir politiciens ça yo nan place pour servir intérêt peuple là il servir intérêt yo intérêt business yo nous gain plus droit d'intérêt que yo même d'ailleurs nous c'est descendant direct de blanc français yo même c'est un africain de sorti c'est un esclave yo était là bon moi ça me rend nous pas pour nous peur et nous pas le camp en face pour nous bomber avec yo nous n'a utiliser propre yo même d'ailleurs ça quand l'école nous déjà ouais comment on acheter yo. On prend des potes qui courent, on dit à des potes qui caca dans la télévision, dans la radio, ou à l'hôtel. Moi qui habitué à aller en bas live dans le cadre, mandez pour moi, déclaration ça que tu fais. Qui est-ce dans le bourgeois qui te voyait? Même après appeler Peppa ici, 18 novembre, c'est le dernier 18 novembre que le journal a bien boulevé dans le pays. Après effondrement Union soviétique, c'était même bagaille là en Russie. À tel point, c'est oligarque ça même qui te choisi Poutine pour mettre lui au pouvoir pour défendre l'intérêt. Arrivé au pouvoir, Poutine va changer radicalement. Il va lancer un combat sans fin contre les oligarques russes. National-prédateurs, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. Poutine est adressé exactement avec oligarques corrompus qui t'a dirigé l'économie la Russie. Qu'on y a tant d'extraits ça que bourgeois ça t'es fait pour est-ce que c'est pas même problème ça que nous gagnons la caille? Nous gagnons bien dans notre pays, nous gagnons caille tout partout. Vladimir a lancé une guerre totale avec Timothée Sayo. Ça qui prend exil, ça qui prend prison. Tout oligarque te vient gagner deux choix. Soit que ou te respecté gouvernement, ou te marché à discipline pays ya, dans intérêt peuple, ou sinon ou bail pays ya. Puisque mandat pour Timothée est fini, et malheureusement, il n'y a pas de reposer candidat encore à cause de constitution pays ya. Ça que l'été fait, l'été voyé yon confrère li, qui te pote non Dimitri Medvedev aux élections. Une fois que l'été gagné l'élection, l'été mette Vladimir Poutine comme premier ministre. Prends ça nous pour nous garder action Poutine comme un vrai leader, comme un politicien qui est sensible pour payer, pour peupler. La crise avait frappé la Russie quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de Medvedev. En tant que premier ministre, Poutine décide d'intervenir personnellement dans les régions les plus touchées par l'effondrement économique.
La ville de Pikaliovo, située à 250 km de Saint-Pétersbourg, dépend entièrement d'une vaste cimenterie. Poutine affronte les propriétaires de la cimenterie après sa fermeture. Vous avez pris ces gens en otage. Avec votre ambition, votre incompétence et votre pure avidité. Le sort de centaines de personnes est en jeu. C'est totalement inacceptable. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord ? Oui. Deripaska, vous avez signé ? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Kounia, expliquez-moi combien de politiciens haïtiens qui ont gagné assez de grands, assez de capacités pour réunir ensemble de multimillionnaires qui disent que c'est bourgeois dans le pays et pour faire qualité de déclaration ça. Pour imposer dans le sens que Vladimir Poutine t'a imposé. C'est la preuve qu'en Haïti, malheureusement, nous n'avons pas gagné un politicien qui a gagné pour défendre le peuple. Nous n'avons pas gagné un politicien qui a gagné pour lever le pays à Piro. Nous n'avons pas gagné un politicien vraiment qui voulait un changement pour le pays. Au contraire, ça que vous voulez, vous voulez changement dans le bouche, vous voulez changement dans le banque. À pouvoir pour que vous été là, pays à mettre crasé, haïtien, jeune haïtien à mettre à souffrir, ça va garder. Comme ça, je veux dire, là, je ne sais pas, est-ce que c'est moi-même seulement qui soucieux de ce qui a passé là? Écoutez, c'est pas petit chantier qui est là, non, vous faire. Conseil présidentiel là, il a pensé son chèque en blanc gain en main. Pour ça gain là comme travail qui vous faites. On connaît aujourd'hui là pénitencier national presque pas gain prisonnier encore. Mais si reste qui était dans prison, presque mouri. Vous pas comme ça? Ah mon cher. Si reste prisonnier qui était dans prison presque mouri, l'affaire cap touyer. Parents pas qu'à traverser pour manger ba yo. Et en attendant nous si gren prisonnier crété dans pénitencier, c'est presque, attendez bien, si gren prisonnier crété ou presque capable dit, c'est ça qui paraît pinoble oui. Ah. Faut entendre tout ça oui. Tout prisonnier GK les bandits etc., yo tout quitté pénitencier. Yo tout t'est sauvé. Ça qui était là, c'est ça qui dit bon même fuck yo, il y a tant jusqu'à ce que yo jugé yo, jusqu'à ce que yo passe devant le juge ou bien qui dit bon même yo pas gain parole, yo pas gain personne qui côté yo va aller. Ça veut dire monde qui était dans pénitencier, c'est monde qui va pas nuire à la société. C'est monde qui va pas nuire public là, c'est monde qui va pas nuire pays, c'est yo crété. Mais je dis là madame monsieur moun ça yo et yo sur le point même pour yo rendre dernier souffle parce que l'état pa gen moyen pour bay ou manger non seulement infirmier ou pas ka déplacer vinn dans bureau vinn travailler ou bien vinn faire manger pour yo mais parents yo à cause insécurité parents ou pas ka déplacer pour vinn bay ou manger pénitence c'est tout près et tout près bureau et le nouveliste donc on est nèg yo casser le nouveliste c'est tout près donc ça veut dire parents ou pas ka déplacer pour vinn dans secteur ça. Bon pour attendre un ami non qui parler de pénitencier national qui parler de situation qui vient là dans pénitencier en. Bonjour, bonsoir. Lorsque la justice, la sécurité sont disparues, l'insécurité, l'injustice mène la danse, eh bien, la résistance, la désobéissance sont obligatoires. Nous trouvons inacceptable pour nous garder photo de monde qui vivent dans la prison en Haïti. L'Éternel te dit pas de lâche qui a prêté dans le royaume. Et Dessaline Papa Nation te dit tout bravio à un genou de moi et puis toute la chose en fort.
Dans ce constat, nous d'accord avec la parole de ce sénateur Moïse Jean-Charles, qui dit fait gagner fort qui fait pour gaz la descendre, pour peuple avoir manger, pour manger. L'impossible, je dis à mamie, dire mamie, pour mamie, maï, avant 4 à 500 dollars. Côté salaire, un cadre qui n'a 25 000 gouttes. Yon médecin qui a fait résidence, 12 500 gouttes, un policier, policier 20 à 25 000 gouttes, l'impossible. Dans ce constat, comme dit sénateur Moïse, si il y a 11,4 milliards de dollars dans la diaspora à Haïti, faut banque yo pas qu'il met dollar bay peuple la dollar pour ça fait pas de gain négociation entre gros barbin oligarque avec ancien gros chef pour qu'il met la douane pour mettre gouvernement banque centrale pour qu'il met les GI et quoi faut ça gain soulèvement général contre injustice d'abord peuple la vit dans trop crasse trop misère trop pauvreté. Et nous avons un pinga pour tout adversaire Moïse, Jean-Charles. Jusqu'à présent, qui me fait une lance là pour soulèvement contre misère, contre injustice, contre pauvreté, contre grand goût, contre classe. En nous camper ensemble comme un seul homme pour dire des autres qui ont fait depuis 1957, mais aujourd'hui, impossible, pas qu'un gros bourgeois qui doit qu'aimer le peuple dans la classe. Oui, il faut bourgeois investir. Millionnaire pour une milliardaire. Classe moyenne décapitalisé. Et puis d'abord dit ça pour génio. Comme l'école pensée, il y a la classe moyenne primaire. Il y a la classe moyenne secondaire. Il y a la classe moyenne supérieure. Et puis l'on cadre a touché 12 500 gouttes à la 25 000 gouttes. Il pas même la classe moyenne primaire. Pour bagaille ça, on finit. Pour égalité dans l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans la justice. Là. Et mes frères, nous venons avec la constitution impériale déjà de Saline. C'est l'un des outils constitutionnels pour payer à marcher. Nous parlons de personnes, mais nous ne pouvons pas voir comment nous vivons dans l'état ça. Faut que ça nous montre nous, que nous sommes sur les réseaux, comment nous sentons. Si c'est moun, trop misère, trop classe, trop grand goût, trop déception, trop inégalité. La société haïtienne, non. C'est vivre libre pour mourir. Qui met flambeau la doctrine avec des salines pour sauver le pays. Allez, Dieu, ça. Ou pas comprendre, mon frère. Ça veut dire son pays qui réduit vraiment en cocoratou. Même prisonnier. Moun ki dan prison condamné, l'état pas même en mesure pour bailler manger, l'état pas en mesure pour prendre soin yo. Et puis ouais, on bon nèg monté. Yo pa chercher faire l'autre bagaille, c'est plaisir à prendre. C'est plaisir à prendre, c'est fêter à fêter. Ça gè pour fêter là. Qu'est-ce que ça gè pour fêter là? Moi en vérité m'a chercher m'pa wè. M'a cherché qui ça gagne pour fêter là, m'a cherché qui ambiance qui gagne là, m'a regardé qui ça nèg de célébrer comme victoire là, m'pa wel. Sincèrement m'pa wel. C'est ça qui fait moi vraiment espérer go prise de conscience qui traverse monsieur pour comprendre aujourd'hui là chantier que peuple là attend yo ou bien peuple là pas même qu'attend encore, le peuple est impatient. Le peuple n'a pas connu qui le. Beaucoup ont fait gaz là même. Son bail était chargé. Pays n'a pas de gaz. Le peuple a attendu ce qu'il est pour le temps de bonnes paroles qui dit en faveur de vous a fait gaz ça. Le peuple n'a pas connu qui le. Le peuple n'a pas attendu qui le pour le temps de. Comme si il y a des mots qui ont prononcé en faveur de vous a fait gaz ça. Et puis, on a dit que vous pensez que vous célébrer. On a dit oh, c'est la grande victoire, etc. La victoire dans qui ça? Pile moun kap parle kap di c'est une avancée, c'est un grand pas vers la bonne direction, etc. Oui, n'te kapab di c'est un bon pas, c'est une bonne avancée. Maintenant, ça nous est là. Ce ne sont pas les mots de félicitations seulement que le peuple a besoin. Le peuple a besoin de travail, le peuple a besoin pour le conseil présidentiel la mettre au chantier pour le mettre au travail.
C'est ça le peuple a besoin aujourd'hui là. Donc nous même cap bat bravo, nous même cap bat bravo pour conseil là, pas de problème, mais faut que nous dit même conseil, le chantier est là. Le peuple attend. Le peuple a résultat là attend. Moi m'a continuer fournir j'ai gardé et espérer l'autre journaliste au même tout, il y a fait même gens, il y a suivi parce que c'est nous même qui pour veiller pour le peuple là. Le peuple n'a pas qu'à veiller pour tête, nous c'est j'ai la xoreille, c'est nous pour veiller pour lui, pour nous connaître exactement ce qui a passé, qui ça a fait, comment la situation est même liée, et pour nous porter actualité à Bali. N'a pas qu'à là, mesdames, messieurs, nous sommes contents ensemble avec vous. N'a pas salué tous les amis, tous les amis toujours fidèles avec nous. On y a eu, finalement, Chanel, ça est pour vous. Nous contents, et nous disons merci avec tous les amis qui toujours exprimé fidélité à Chanel Haïti Réflexion, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne malgré tout. Vous êtes connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Et Jeanne Zoulan, Chanel, là, c'est Haïti Réflexion et bizarrement, ses amis, Esdras Fizeme, qui étaient ensemble avec nous. Monsieur, nous passons une très bonne semaine d'information en notre compagnie. En attendant, nous croiser un peu plus tard, mesdames, messieurs, pour une autre vidéo. Bonne semaine, tout le monde, bonne journée. Nous croiser un peu plus tard pour une autre vidéo.